L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme a proclamé les résultats annuels de clôture du grand jury international de diplôme de la session 2015 le samedi dernier à Lomé. Nous avons eu une très bonne moisson cette année. Nous sommes tout à fait heureux parce que c'est la toute première promotion de master en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine. Et que ce soit en filière urbaine, en filière gestion urbaine, nous avons eu une réussite presque à plus de 98%. Donc nous pouvons clamer haut et fort que l'année a été bonne. D'autant plus que, comme vous le constatez chez nous, c'est un grand jury international où les gens sont venus de partout, d'Afrique, d'Europe, et ce sont des professionnels et des universitaires qui ont eu donc à plancher, à juger et à jauger nos élèves sans complaisance, sans surtout l'interférence des enseignants titulaires de l'école. Ouvert sur 14 États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'EAMO forme des cadres en matière d'architecture et de l'urbanisme. Elle est à sa 34e promotion. Vous savez, l'EAMO existe depuis pratiquement 40 ans. On avait commencé par les deux filières architecture-urbanisme et il y a eu la réforme en 1996 où on formait des architectes urbanistes. Donc après ça, il y a une nouvelle réforme en 2010 où nous nous sommes arrimés, l'EAMO s'est arrimé au système LMD que vous connaissez tous avec sa rigueur. Donc nous avons essayé il y a donc 5 ans. Donc nous avons commencé par former les licenciés depuis 2012. La première promotion est sortie, la deuxième promotion, la troisième promotion aujourd'hui. Mais concomitamment, nous poursuivons pour le master. Et c'est la toute première promotion de master où on a dit et que ce sont quand même des professionnels pratiquement mûrs au regard des résultats que nous avons. Des prix de section ont été décernés aux meilleurs étudiants. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'EAMO est un foyer d'intégration adapté aux réalités locales pour le plus grand bonheur des populations, villes et contrées. Créé en 1976, l'EAMO a formé 871 cadres de haut niveau venant d'une vingtaine de pays.